Bienvenue, on va voir ici comment résoudre un des plus gros problèmes que vous avez probablement pour faire décoller votre activité en ligne, c'est d'avoir du trafic massif, illimité, qui est extrêmement ciblé et rapidement, quasiment immédiatement sur n'importe laquelle de vos offres. On sait que la plupart du temps, eh bien, on n'est pas bloqué forcément par le fait de trouver un produit gagnant, on peut le trouver n'importe où, vous n'avez même pas besoin que ce soit le vôtre, ça peut être trouvé par exemple sur AliExpress si vous voulez faire du dropshipping, ça peut être trouvé sur des plateformes d'affiliation comme JVZoo, comme ClickBank, comme Intpe, il y a plein de plateformes d'affiliation, j'avais même fait une vidéo avec 50 plateformes, meilleures plateformes d'affiliation. Le problème, c'est pas non plus de diffuser ce produit, il y a plein de plateformes qui permettent de diffuser très facilement vos produits, ça peut être Shopify, ça peut être Learnybox si c'est des produits de formation et d'information. Le gros souci où tout le monde se casse les dents, eh bien, c'est d'avoir du trafic massif. Et je vais vous montrer comment vous pouvez avoir ici, imaginez de pouvoir avoir des centaines de milliers, voire même des millions de clics extrêmement ciblés sur vos offres en seulement quelques heures. Ça semble vraiment complètement fou, mais on pense souvent en fait aux techniques vraiment traditionnelles. Par exemple, la publicité Facebook où il y a plein de gens qui se cassent les dents parce qu'ils dépensent des centaines d'euros, c'est peut-être votre cas aussi. Et au final, vous n'arrivez pas, vous faites que des tests à essayer de trouver le bon texte qui va bien, la bonne image qui va bien. Et au final, vous dépensez même les audiences qui vont bien. C'est pas forcément simple de cibler la bonne audience en face du bon produit. Et donc finalement, on peut en arriver à passer des semaines, voire même des mois en test de publicité Facebook sans avoir aucun résultat. Et pareil pour le SEO, le référencement, ça prend des mois. Bref, vous vous en sortez pas avec les techniques traditionnelles. Et pourquoi ne pas aller chercher cette audience immense qui existe déjà chez d'autres personnes qui peuvent vous l'apporter, par exemple chez des influenceurs qui ont des centaines de milliers voire même des millions de followers qui peuvent être à votre service. Ça peut immédiatement vous apporter des centaines de milliers de clics et je vais vous montrer, on va faire des calculs ensemble avec un outil qui vous permet très facilement de trouver les meilleurs influenceurs, de les contacter et de recevoir comme ça des centaines de milliers voire même des millions de clics extrêmement ciblés sur vos offres. Imaginez si vous pouviez avoir des centaines de commandes comme ça en seulement quelques heures, eh bien ça pourrait probablement potentiellement révolutionner votre activité en ligne et plus largement votre vie parce que du coup vous seriez totalement en indépendance financière avec ça. Donc on passe derrière mon écran pour vous montrer la puissance des influenceurs. L'outil que je vous montre ici, j'en fais la démonstration complète pour la recevoir, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Il va vous permettre de trouver les meilleurs influenceurs en seulement un clic et de les contacter, d'avoir accès à toutes leurs informations de contact. Vous voyez, ça peut être des influenceurs sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, et également les blogs qui ont le plus fort trafic. Et vous pouvez ici ensuite eh bien, les sélectionner. Vous voyez, si on sélectionne ici par exemple Instagram, vous pouvez faire une sélection de différentes catégories, de différentes niches à ce niveau-là. Donc la beauté, l'éducation, les divertissements, le jardin et la maison, etc. Et ensuite, vous pouvez choisir le pays, les États-Unis, tous les différents types de pays, le nombre de followers pour choisir des micro ou des macro influenceurs. Ça va jusqu'à 100 millions de followers. Et s'ils ont un email ou pas pour pouvoir les contacter. Alors, admettons que vous vendiez par exemple des accessoires de sport, par exemple un t-shirt de sport, un vêtement de sport. J'ai déjà fait un premier test, une première recherche ici. J'ai sélectionné du coup la niche fitness, yoga et sport. Et ici, j'ai sélectionné le pays France avec entre 20 000 et 5 millions de followers et avec des personnes qui ont déjà un email. J'ai cliqué sur Find et automatiquement ici, vous voyez, vous trouvez plein d'influenceurs comme ça. Notamment, imaginez, vous vous arrêtez sur celui-ci, Thibaut InShape. Vous cliquez dessus et automatiquement ici, vous avez toutes les informations. Vous avez accès directement à son compte Instagram à ce niveau-là. Vous avez également accès ici eh bien, à son contact. Vous pouvez le contacter directement. Vous avez l'email ici. Et vous avez plein d'informations extrêmement intéressantes, notamment le taux d'engagement qui est un calcul complexe qui montre un petit peu, il faut qu'il soit au-delà de 1,5% pour être sûr que l'influenceur est pertinent et que ce n'est pas un faux influenceur. Alors imaginez maintenant que cet influenceur, il fasse la recommandation de votre t-shirt par exemple, et il fasse un post comme ça. Regardez, un post comme ça, ça regroupe 120 783 likes.
Donc on va faire un calcul rapide, je sors une calculette de compétition ici, et admettons vous avez un t-shirt que vous vendez par exemple 47 euros de votre nouvelle marque de sport, et lui, Thibaut InShape, il fait un post comme ça, par exemple en portant ce t-shirt ou en le montrant tout simplement, et admettons, donc là s'il y a 120 000 likes, c'est vraiment pas déconnant de dire que vous aurez par exemple 100 000 clics, ou on va dire par exemple 40 000 clics, c'est-à-dire 40 000 actions. Donc admettons que vous ayez que ça génère par exemple 40 000 clics sur votre site web ou sur votre produit, sur le lien de votre produit, et que sur ces 40 000 clics, il n'y ait qu'une personne sur 100 qui achète, et donc forcément ça va être beaucoup plus puisque ici il y a plein de personnes qui suivent cet influenceur et donc ils vont être beaucoup plus enclins à acheter ce qu'ils recommandent, donc ça va être plus des taux de 5-10% d'acheteurs, mais admettons il n'y a qu'une personne sur 100 qui va acheter votre t-shirt ou votre vêtement ou votre accessoire, votre sac de sport à 47 euros, donc on multiplie par 47 euros, et bien regardez, ça vous fait automatiquement d'un seul coup en quelques heures 18 800 euros. Vous avez du trafic extrêmement ciblé qui arrive et vous obtenez des centaines de commandes, et bien quasiment instantanément. Ça n'a plus rien à voir avec la publicité Facebook où vous allez claquer des centaines d'euros, vous allez galérer pendant des mois et des mois à réussir à trouver, à faire une publicité rentable. Vous allez galérer également avec les techniques traditionnelles de référencement. Alors que si vous allez chercher l'audience là où elle est, directement, et bien par des influenceurs qui ont une audience quasiment similaire à la vôtre, vous pouvez littéralement faire un carton. Imaginez maintenant la même chose, mais par exemple que vous ayez un complément alimentaire, si vous faites par exemple du marketing de réseau et vous vendez des produits de compléments alimentaires à 89 euros, et bien si on refait la même chose, par exemple 40 000 clics et qu'il y a une personne sur 100 seulement, c'est vraiment pas beaucoup, on se met dans les pires cas, qui achète votre produit à 89 euros, regardez, ça vous fait tout de suite 35 600 euros de vente. Je ne sais pas si vous vous imaginez le potentiel, les amis, mais littéralement, eh bien, ça peut complètement révolutionner une activité en ligne. Surtout que même Thibaut InShape, eh ben voilà, même si vous le payez 300, 400, peut-être même 1000 euros ou 2000 euros le poste, eh ben, il vous reste quand même plus de 30 000 euros de bénéfices. Donc, vous voyez que vous êtes largement gagnant avec une opération comme ça, que vous pouvez trouver extrêmement simplement, donc les meilleurs influenceurs avec cet outil là. Si on fait un autre exemple, admettons que cette fois-ci, eh bien vous ayez trouvé un pendentif, un collier, un super collier, allez, ça c'est gratuit par exemple, je vous montre un des produits gagnants, donc qui a vraiment cartonné notamment sur AliExpress. C'est un collier qui en fait il dit je t'aime en 100 langages comme ça, il s'allume comme ça et il y a je t'aime qui s'affiche ici en 100 langages. Vous voyez un petit peu le prix de vente, c'est à peu près 1$ le prix de vente, et vous pouvez très facilement le vendre 29$. Ça, c'est un des produits qui a le plus cartonné, notamment dans tout ce qui est mode et que vous pouvez trouver sur AliExpress. Donc, libre à vous d'utiliser ce produit-là sur des marchés où c'est pas forcément connu. Mais ça, c'est vraiment un des produits gagnants de AliExpress que vous pouvez utiliser par exemple. Et imaginez que vous voulez tout de suite du trafic, faire des centaines et des centaines de commandes. Plutôt que de passer par la pub Facebook, du référencement ou de créer plein de contenus qui vont attirer peut-être quelques dizaines de visiteurs, eh bien, vous pouvez très bien utiliser l'audience là où elle est et tout simplement en trouvant un influenceur. Donc, je vais vous montrer le truc. Par exemple, ici, vous voyez, je suis retourné notamment sur les influenceurs Instagram. J'ai sélectionné ici une autre niche, donc beauté et fashion. Et j'ai sélectionné le pays France, mais bien évidemment, avec un pendentif comme ça, vous vous doutez bien que vous pouvez cibler des influenceurs aux États-Unis et partout dans le monde, puisque c'est un truc qui est complètement international. Ici, j'ai sélectionné le nombre de followers pour avoir une fourchette large, mais vous pouvez très bien diminuer le nombre de followers selon ce que vous voulez faire. Tous ceux qui ont un email, j'ai cliqué sur Find et regardez tout ce qui m'a trouvé. Donc, vous voyez, il y en a des dizaines et des dizaines d'influenceurs comme ça que vous pouvez trouver, et encore à chaque fois, il en charge de plus en plus. Et admettons, on s'arrête sur un influenceur, par exemple Stéphane Durant, on clique dessus et automatiquement on voit son taux d'engagement. Il est supérieur à 1,5%, donc c'est une influenceuse qui peut être très pertinente. Vous pouvez cliquer ici pour la contacter directement si vous voulez. Vous avez directement et bien son email et toutes les informations de contact. Ici vous avez son site web pour voir un peu ce qu'elle fait. Vous avez son compte Instagram tout de suite et bien qui s'affiche à ce niveau-là.
Et regardez un petit peu, elle a 2 400 871 followers. Et quand on regarde un petit peu ses posts, vous voyez qu'il y a des posts qui cartonnent littéralement. Par exemple, celui-ci, il a 127 000 likes. Donc si je ressors la super calculette de Compète, avec le même collier ici que vous vendez par exemple 29 euros, et à 29 euros c'est des produits d'impulsion qui peuvent facilement partir, vous voyez, imaginez cette personne en train de porter votre collier ici. Et bien voilà ce qui va se passer si vous avez par exemple, admettons 80 000 clics, donc sur 2 488 followers, c'est vraiment pas déconnant d'avoir 80 000 clics, et qu'il y a seulement une personne sur 100 qui achète ce collier. Donc par exemple, fois 0,01, ça vous multiplié par 29 euros le collier, et bien ça vous fait tout de suite 23 200 euros de commandes instantanées. Donc vous pouvez faire ça avec tous les objets de mode. Vous voyez que ça vous fait quand même une très belle journée en termes de vente si vous arrivez à faire par exemple 23 200 euros en seulement quelques heures. Et vous pouvez dupliquer ce processus littéralement à l'infini en trouvant autant d'influenceurs que vous voulez, en les contactant extrêmement facilement. Vous voyez, vous avez toutes les informations de contact ici. Donc pour aller beaucoup plus loin, si ce super outil vous intéresse, pour avoir du trafic, des centaines de milliers, voire même des millions de clics hyper ciblés et très rapidement, qui peuvent révolutionner votre activité en ligne, cet outil, j'en fais la démonstration complète. Il suffit pour ça de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo pour recevoir la démonstration complète. Et moi, je vous dis à tout de suite pour vous montrer tout ça.